Et bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec Rise of the Republic, et c'était toujours la merde à cause de ces foutus sécessionnistes. On a donc, va falloir qu'on y fasse attention, une armée ici, je crois, d'un potentiel sécessionniste avec une armée de qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme des gros fourbes, on va aller lui piquer son de ses troupes, tout simplement. Hop, 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 hop. Voilà, c'est trop. On va en enlever une. Est-ce qu'on n'a pas des unités pourries à lui donner? Oui, on a complètement des unités pourries à lui donner. Le petit montagnard italique, là. Hop. Tu viens. Des frondeurs, on les garde. Voilà, comme ça, s'il décide de se rebeller, bah, au moins, on sera prêt. On va se diriger par là en attendant, dans l'optique d'aller attaquer cette colonie là. Ça c'est un Samnite je crois, hein. Oui, ça c'est un Samnite, donc c'est parfait. Il a qu'une seule armée cette fois, donc ça devrait, même si toute cette province là entre en sécession, devrait faire un petit peu moins chier. Ici on va essayer de saboter son ravitaillement, parce qu'il faut pas perdre de vue les priorités, n'est-ce pas? C'est raté, bordel. Il est increvable ce con. Du coup, on a plus que 33% de chance, mais on va quand même tenter, parce que sinon il va jouer au chat et la souris avec nous, hein. Ah la vache quoi. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là. Et on va recruter encore un peu. Donc ici, il nous faudrait encore au moins un lancier. Et puis une unité de choc, comme ça on aura 4 lanciers pour tenir les flancs et de quoi gérer le reste. Et on se trouvera de la cavalerie plus tard. Ici du coup, où est-ce qu'on peut recruter de la cavalerie réellement? Je crois qu'il n'y a que... Il n'y a que ici en fait, hein, que j'ai construit ce qu'il faut. Alors, donc, en même temps, la province est faite pour, mais du coup, ça fait un petit peu loin si on veut en recruter. Donc ici, on a vu qu'il y avait une armée qui se pointait, mais la priorité, ça va être de se débarrasser d'eux. Donc eux aussi, on va essayer de les ralentir, si on peut. Je m'en suis assuré. Et ouais, ils sont, mais genre, pile poil à la limite, c'est ouf quoi. Donc on va se diriger vers eux quand même, ils iront pas très loin normalement au prochain tour. Ici, eux, est-ce qu'ils sont à portée? On peut pas le savoir, si, on voit qu'ils sont à portée, ok. Ce qui veut dire qu'on va peut-être essayer de faire des trucs, on peut pas, ils sont trop loin. Donc on va venir ici. Et éventuellement on pourra foutre un petit peu la merde au prochain tour. S'ils nous attaquent pas directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On avait un diplomate ici. On pourra essayer de recruter encore un mec. Hein. Est-ce que c'est bien utile? Je ne sais pas. On peut que recruter avec nos diplomates. Ici on peut essayer de convertir ou d'inciter à l'agitation. On va essayer de convertir parce que pourquoi pas. Alors ici on a un mec qui est revenu. Alors à la limite, ce qui serait plus intéressant, c'est de convertir un champion, mais ils sont trop loin. Allez, c'est parti, on tente. Ah, ça a été instantané, ou c'était l'autre? Ok. C'est celui-là qui a raté. On n'est pas sur des agents ultra ouf, hein. Ici, on va avoir un pourcentage de chance assez faible, mais si on arrive juste à le blesser, ça sera suffisant. C'est raté. Tempi, tempi. Donc ici on va continuer de se renforcer. On va prendre du frondeur. Parce qu'on prendra des archers à la place des tirailleurs si on peut. Ouais, ça c'est déjà pas mal pour commencer. Puisque là on va probablement avoir le revenu qui va se casser la gueule. Hein. Ici, à cause de ces enfoirés de raid, l'ordre public tombe, mais tant pis, ça devrait tenir le temps qu'il faut.
Donc ici on s'est déplacé, qui c'est qui n'a pas bougé? Toi, mais c'est normal, tu peux pas bouger plus. Ici on a Marcus qui est là, très bien Marcus. Parfait, fais ton taf. On a des niveaux. Toi tu t'es foiré mais t'as quand même un niveau. Ouais ça c'est pas mal. Et elle, elle est montée niveau maximum, ce qui est pas mal, donc c'est également. Plus 3 pour tous les attributs, plus 3% de chance de succès, bah oui, oui, vas-y. Fais donc ça, fais donc ça. Au niveau de ce qu'on pourrait améliorer... Ici, je pense qu'on va se lancer dans de la bouffe. Parce que si on perd l'autre province, il y a moyen que ça se casse un petit peu la figure, la nourriture également. Et ici, on augmenterait nos revenus si on faisait ça. Mais ça, ça dépenserait de la nourriture également, ce qui n'est pas forcément idéal. On pourrait améliorer la garnison de Scipius là. Ça nous apportera de la nourriture également, et on va le faire. Il nous reste du blé. Est-ce qu'avec notre blé, on pourrait pas recruter des trucs? Étant donné qu'ici, on va pas avoir de la cavalerie avant un moment. On va essayer de prendre... de quoi la contrer. Hop. Ici je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus. Enfin quoi que non, il faudrait plutôt qu'on améliore cette armée là, puisque c'est elle qui va devoir elle va uniquement défendre pour l'instant, alors qu'elle va potentiellement devoir reconquérir. Donc on va lui mettre des mecs capables d'attaquer les murs, tout simplement. Et cette armée-là recrute déjà, on va lui mettre encore quelques troupes de plus, puisqu'on a le blé. Et c'est parti. On va voir si ça fait sécession, ou pas. Ok, ici il n'attaque pas, ce qui est bon signe. Alors, le séparatiste samnite, il essaie de me convertir visiblement. Non, enfin je sais pas ce qu'il a fait, mais il a réussi. Il m'a entravé. Donc il y a ses espions probablement qui vont faire des trucs. Alors est-ce qu'on a des nouveaux séparatistes samnites ou est-ce que ça devient la même faction? C'est ça qui m'intéresse en fait. A priori ça a encore à nous. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors le région bien sûr, hein, il a masse d'agents, donc il continue de faire masse de trucs qui ne nous arrangent pas. Et puis il en ramène d'autres encore quoi, c'est ouf. D'où ils sortent tous ces agents quoi. Tentative de vol ratée, tentative de sabotage ratée, un renversement raté, on a blessé un ennemi, on a un mec qui a été entravé, on a la célébration de Cerealia. Le fusil de Cerealia est donné en honneur à notre bien-aimé Cérès. Très très bien. Plus 10 de loyauté pour tous les partis, 7 de nourriture, 3 de croissance, ben c'est parfait ça. C'est pas... ça pouvait pas tomber plus mieux. Ok, donc on a trouvé des agents, on a des trucs qui se passent. Alors ici il nous faut une victoire militaire avec lui, ce serait parfait si on pouvait améliorer sa loyauté comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener l'armée à portée et on va attaquer avec lui. Et c'est parti, donc on va se mettre en mode protection si on peut, histoire d'éviter qu'il meure, parce que ce serait quand même un peu triste. Voilà, parfait, bien sûr on occupe la ville sans rien d'autre. Alors on a une armée qui monte de niveau, un général qui monte de niveau, alors on peut prendre quoi? 3% de dégâts, plus de défense, plus de dégâts. Et donc lui, il gagne de niveau également. On va en faire un... On va en faire un quoi? Un stratège. Donc au niveau, on est descendu à 38% et ça c'est cool. Les généraux victorieux, mercantiles, personnages promus. Type de gouvernement, initiative commerciale, on est bien, on n'est pas trop mal. On va dire en tout cas, sans être bien. On est redescendu à moins 50 ici, voilà, donc ils ne peuvent de nouveau plus nous saquer, hein, mais de toute façon ils voulaient vraiment pas faire de commerce. On va quand même essayer de continuer à draguer un petit peu Carthage. Ça fera pas de mal. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Courtiser.
Conjoint m'a 10 de gravitas, conjoint de la scie moins 10 de gravitas. Ok, c'est pas ouf. Complimenté. Ah, on peut pas. Je peux pas complimenter malheureusement. Deux de zèle en plus que la cible. Rendre un service. Provoquer. Ah non, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec beaucoup de zèle qui pourrait complimenter? Non, il n'y a que elle hein, qui a moyen. Ici, on pourrait se marier. On va essayer de trouver une épouse. Parfait. Voilà, on prend un géomètre parce que pourquoi pas. Tout le monde a bien un... Ah, toi, t'as personne. Bon, en même temps, j'ai rien d'intéressant à donner à quelqu'un qui n'est pas général. Est-ce qu'on peut peut-être renforcer sa promotion, voilà, pour augmenter un petit peu sa loyauté aussi à elle, là. Et lui, on peut également renforcer sa promotion, ça coûte une blinde, mais entre ça et tout ce qu'on perdra si jamais il rentre en sécession, on va pas se gêner. Voilà, ça diminue un peu, c'est pas ouf, mais c'est ça de prix. Et on va envoyer elle courtiser Carthage. Voilà. Alors ici, on a un accord commercial qui va peut-être bientôt péter, malheureusement. Ici, c'est pareil, c'est pas dingue. Est-ce que eux... bon, ils peuvent pas nous saquer, mais on sait jamais. Ils cherchent un peu de blé. Carthage, on va retenter, mais... Vous êtes le bienvenu. J'y crois pas un seul instant, eux non la plus. La patience n'est pas notre... Non, ils veulent pas. C'est dommage parce que ça permettrait aussi d'augmenter un petit peu la loyauté du parti. Mais bon, bah tant pis. Hein. Magna, c'est quoi? Plus 2 de loyauté pour chaque province générant plus de 5000 de richesse et populiste. Moins 10 de loyauté pour chaque palier de taxes majorées. On n'a pas ça d'actif. Non, on n'a pas ça. Parfait. Donc ici on va rester dans le coin au cas où ils décident de foutre la merde. Alors après, au niveau des agents. Alors vous remarquerez que sa faction n'a pas disparu. Hein. Peut-être à cause de ce bateau à la con là. Ouais, c'est sûrement à cause de ce bateau à la con. J'aurais bien voulu que ses agents disparaissent par la même occasion, mais apparemment c'est raté. On va essayer de s'en débarrasser à la main. Échec propice. J'aimerais bien des échecs autre chose que propice si c'était possible. Mon esprit et mes mots vous appartiennent. Toi, prêt, volontaire et capable. Essaye de convertir les mots bien choisis sont aussi puissants que cet espion, s'il te plaît. Bon, on le travait, c'est toujours ça de prix. Il peut ni déplacer, plus. Et il a été compromis par une action, donc on va essayer de le recruter de nouveau. Et c'est raté. Et merde. Alors ici. Oh la vache, il a réussi à se mettre hors de portée de mes espions, vous êtes sérieux? Il est hors de portée de mon armée, bien sûr, oui. 46% de chance d'y arriver. Il y a quand même moyen. Oh là là, mais c'est pas possible quoi, les mecs, vous foutez quoi? Non mais sans déconner. Bon bah du coup on va rester là, hein, en attendant que éventuellement on a des gens qui arrivent à se sortir les doigts. Pour parler crûment. Échec du vol, mais oui, allons-y. Bon, la bonne nouvelle c'est que lui du coup il a pas pu se barrer. Donc il va prendre pour les autres. Oh, tu déconnes, il s'est pas mis hors de portée. Non, voilà. Alors lui, ça fait bien longtemps que tu me fais chier. Voilà. Une bonne chose de faite. Et on va les envoyer en esclavage, ça leur apprendra. Et du coup, on va commencer à se rediriger par là. Alors ici, on va... ici, est-ce qu'on est à portée de l'autre armée? Non, hein, c'est beaucoup trop loin. Donc on va essayer de... saboter le ravitaillement de cette armée là pour qu'elle parte pas trop loin.
Parfait, voilà, ça c'est des agents efficaces. Et ici je pense qu'on va essayer de la démoraliser un peu. Parce que vu que le seul truc qui pourra attaquer probablement ça sera ça. D'ailleurs, ouais non en fait cet agent est hyper... Non, il est quand même, il est quand même encore à portée de la ville. Bien. Cela étant fait. Il nous reste 2000, on pourrait développer cette ville, on va le faire. Alors, pourquoi on a ces deux bâtiments là? Je veux me dire qu'ils ont détruit le bâtiment que j'avais foutu avant. Oui, on va le convertir. Sans déconner. Ici du coup, reprenons. On a déjà un puits. On va faire des bâtiments publics dans le coin. Ou un terrain d'entraînement. Ouais, ça rapporte de la richesse et une garnison, on va faire un terrain d'entraînement. Ici, est-ce qu'on est assez fort pour faire tomber cette ville? Je suis pas sûr, hein. Il y a quand même pas mal de monde. Bon, c'est du lancier, du toxote, mais ça représente quand même un peu de peuple. J'aimerais bien des archers, en fait, ici. Donc je pense qu'on va aller se poser là. Parce qu'il n'y a pas de menace immédiate. Et on va recruter des archers. Deux pour commencer. Et il nous faudrait un lancier de plus pour qu'il y en ait 4. Comme ça, c'est nickel. Donc, au niveau des agents, on a un niveau ici. On va améliorer la démoralisation. Et ici, on a un niveau également de général. Tu seras un soldat, oui, c'est très très bien. Alors, il nous reste cette armée-là qui a pas bougé, mais bah du coup, pour l'instant, elle ne bouge pas, puisque l'autre, il va s'enfuir, donc autant pas lui courir après pour rien, tant qu'on n'a pas réussi à l'immobiliser, tout simplement. Alors, ici, il se lance dans un raid. Très bien. Il semble qu'il va falloir qu'on sévisse dans le coin. Ok, donc il se tire avec ses bateaux. Il se tire avec ses agents. On a une armée croton qui se balade mais qui devrait pas être à même de faire tomber quoi que ce soit toute seule. Le région qui est vraiment celui qui nous aura bien fait chier quand même, hein. Plus qu'encore que le Taras. Ne serait-ce qu'à cause de ses agents insupportables. Intrigue politique, notre diplomate nous a trahi. Bon bah dis donc, décidément, Carthage, c'est pas possible quoi. Ah, ils se sont séparés, ces enfoirés de mecs. Et bah du coup, on va immédiatement leur sauter à la gorge. Hein. Donc on a de nouveau une petite pénurie alimentaire, on va en profiter que lui est dehors. Pour lui montrer que c'était une idée de merde. Ah, il a des balistes, carrément. Alors, et ben on va faire une petite bataille dans cet épisode, et ce sera celle-là. Mener la bataille. C'est parti. Il a des balistes, c'est original. Je sais pas d'où il les sort, parce qu'on n'a jamais eu de quoi faire des balistes. Enfin, c'est même pas des balistes d'ailleurs, mais... un petit lanceur de flèches, là. Donc ça risque d'être un peu relou. Mais c'est pas grave, on va quand même se débarrasser d'eux, parce qu'on a une armée qui devrait être largement à même de s'en occuper. Il pleut. Bah, je sais pas si son truc peut tirer des carreaux enflammés, mais on va prendre du coup. Alors, il s'est foutu tout en tas là-bas. D'accord. Probablement parce que ses renforts doivent arriver par là-bas, également. Alors du coup, hop, on va faire une ligne de front. Les lanciers derrière, le général par là. Les ordres, celui qui brisera la formation sera puni. On verrouille et c'est parti. Les renforts ennemis sont en approche. Ah pas du tout en fait, les renforts sont dans mon dos. Ok, mais c'est pas grave, on va quand même avancer dans ce sens là parce qu'il faut qu'on se débarrasse de ce truc là. Je sais pas s'il peut bouger. Ça va être plutôt statique quand même comme unité.
Donc je peux, il se replie mais s'il peut pas bouger le truc, on va le tailler en pièces hein, tout simplement. Alors, la question étant, est-ce que lui va pouvoir nous rattraper? Il court apparemment, donc du coup stop. Donc avant d'entrer à portée de ce machin là, on va du coup plutôt s'occuper des enfoirés dans notre dos. Donc demi-tour les gars, en plus on est sur une petite butte, c'est parfait. On va se placer comme ça, il a quoi lui? Il a des tirailleurs. Des tirailleurs, pas mal de tirailleurs, donc on devrait être capable de leur faire assez mal. Vous posez ici, juste devant, en fait. Les lanciers, quoique non, je vais plutôt foutre les lanciers devant. Et on va utiliser eux sur les flancs et pour faire des charges de dos éventuellement. Le commandant, il va faire ce qu'il peut. Et on est parti. Donc on va faire front avec nos lanciers qui sont là pour ça. Et ici, on va leur tirer dessus bas de haut, hein, tout simplement. On a quand même du guerrier lucanien et tout en face, hein, du légionnaire de Linen, c'est pas de la merde. Fantassin samnite d'argent également. On n'est pas sûr de l'unité totalement pourrie. Après on devrait voilà, leur faire un petit peu mal le temps qu'ils s'approchent, ou pas d'ailleurs. Alors ici il fait quoi avec ces tirailleurs? Alors, et on commence à tirer, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va concentrer un peu nos tirs histoire d'être plus efficace. Voilà, ici on va juste les faire courir un petit peu histoire d'éviter qu'ils tirent trop. Là faut qu'on avance par contre un peu également, on est beaucoup trop dans le dans les zones de tir de nos ennemis. Alors ici les mecs sont partis pour nous engager. Parfait, bah, c'est parti. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Eux devraient s'enfuir assez rapidement, je pense. On a moyen de faire de la frénésie, ça fait quoi déjà? Dégâts de charge et dégâts avec les armes. Bon, bah, go 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 les gars. Ici, ce serait pas mal de se mettre en bouclier d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire avant. Alors, le général, il va rester dans le coin, donc là, les mecs s'enfuient, c'est parfait. Vous, ce serait pas mal si vous pouviez vous dégager pour aller dans le dos. Et on va faire des supériorités dans le coin, là. Alors les archers, ils vont reculer un peu, le commandant il va se foutre par là, il va inspirer ces gens qui résistent. Donc ici on se fait tailler par contre, c'est très très embêtant. Ce serait bien que vous reculiez un peu du coup. Vous allez vous mettre, alors plutôt par là parce que sinon vous allez courir dans la mêlée, ce qui serait très con. Si vous allez charger... il va nous falloir du renfort ici là. Parce que ça va céder au centre assez rapidement malheureusement. Là on est sur du fantassin samnite d'argent également, donc forcément ça résiste un peu. Vous tirez sur ces mecs. Ici vous allez essayer de tirer un peu. Les hommes sont hésitants. Vous courez. Putain, c'est engagé quoi. En arrière, en arrière. Foncez par là, parce que ça va péter. Voilà, ça a pété. Les archers reculent.
Alors ici, les guerriers lucaniens sont en train de céder doucement. On va passer dans le dos là. Et les mecs ils sont quand même capables de faire le taf hein. En face on a des types qui sont quand même très très efficaces. La bonne nouvelle par contre c'est qu'on est capable de les découper avec nos archers. Puisqu'ils sont engagés et qu'ils sont très très mal placés. Notre général se fait attaquer. Et ici c'est fait. Hop. Qui nous tire dessus, mais qui c'est... Ah putain, j'avais complètement oublié l'autre con derrière. Merde. Demi-tour, les gars. Gérez-moi ces gens qui s'approchent. Nous attendons vos ordres. Dans l'autre sens. Ici, écrasez-les. Ici, vous êtes dans le dos, donc vous allez essayer de faire le taf aussi. C'est surtout ici hein, que c'est un peu la merde. On a beaucoup de monde mais merde. Qu'est-ce qu'ils foutent? Repliez-vous pas. Finissez-les. Et vous là? Vous leur tirez dessus. Et vous? Courez. On a deux unités de légionnaires de Linen qui se ramènent et des fantassins samnites également. Ici ce serait bien si vous tiriez plutôt sur ceux-là. Voilà, ici ça a cédé, parfait, donc on va prélever deux unités pour aller tenir la ligne là. Et le reste pour charger dans le tas ici. Ici ce serait peut-être pas mal de pouvoir les charger de dos également. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Voilà. Alors ici il faut qu'on se dégage. Ici il faut qu'on s'occupe de ça. Donc là on va devoir engager notre général. Parfait, il s'est arrêté. Donc c'est parti, on continue de les taillader gaiement. Ici il y a les mecs qui sont fous au milieu là. Donc là je pense qu'on va perdre ce flanc là également, mais c'est pas trop grave si ça tient suffisamment longtemps. Demander à un type de leur tirer un peu dans le dos là. Tant qu'à faire. Donc là on a les archers qui font bien le taf. Ça fait bien bien plaisir. Voilà parfait, ça commence à céder ici. C'est nickel. Ça commence à céder de notre côté là aussi, malheureusement. Ah, ici il se détache le gars et il fait je ne sais quoi. Il est incontrôlable. Ici ce serait pas mal de réussir à tirer un petit peu dans le tas. Parce que là on va commencer à faire beaucoup trop de tirs amis, malheureusement. Parti pour une petite frénésie les gars. Voilà, là à coup d'archer on devrait leur faire assez mal normalement. Mais attaquez là, bordel. Ok, c'est pareil ici, on commence à faire du tir ami, donc on va se détendre, on va tirer dans le tas là-bas. Ici ça va céder, je pense. Heureux, ils nous chargent, admettons. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ok, donc ici c'est géré, ce qui veut dire qu'on va pouvoir y aller. Ici également, alors du coup est-ce que ce serait intéressant
de renforcer. Ici on va plutôt se foutre en ligne, on va pas les attaquer. Parce qu'ils sont très lents ces gens, donc du coup on va en profiter pour les harceler un peu. C'est des saloperies en armure, donc autant les faire courir un peu. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, parfait. Ici, on va se préparer au fight et on va y aller. Qui c'est qui a plus de munitions? C'est toi qui a plus de munitions. Donc ici, on va libérer nos troupes. Ici, on va aller dans son dos, dans la mesure du possible. Également. Alors vous allez arrêter de tirer et vous allez arrêter de tirer aussi. Tout ça va faire du tir ami pour rien. En général il va se détacher avant de mourir par accident. Putain, j'ai eu peur, mais non, c'est bien général ennemi qui est mort. Ok, donc du coup il reste plus que ces cons à gérer. On va faire courir un petit peu les archers. C'est les unités, nos unités les plus légères, hein, donc on va leur demander de charger. Ils seront largement suffisants pour gérer ça, mais c'est eux qui prendront le moins cher en s'approchant en courant, tout simplement. Bon, ils ont une sacrée distance à courir, par contre. Est-ce qu'on voit la zone de tir de ce truc? Non. Donc on va quand même pas faire n'importe quoi, on va les faire marcher, on va passer en vitesse 3 jusqu'à ce qu'ils commencent à tirer, et après on courra. Ils sont que 40. Ah, ça y est, ils tirent. Courez, les gars. Ça tire vite ce truc. Ouais, quand même, hein. Il a quand même réussi à faire du dégât. Hein. Pas suffisamment, visiblement. On devrait être capable de les choper. Ils s'enfuient pas, hein, quand même, hein. Ils tiennent la ligne. C'est quand même beau. Voilà. Voilà qui est fait. Victoire! Bon, c'est sûr que ça n'a pas été facile, hein, mais au moins on a annihilé tout ce qui traînait, et notamment la garnison aussi. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir reprendre la ville immédiatement. Et ça, c'est bien. Bon, ouais, heureusement, effectivement, qu'on a commencé à améliorer nos armées, hein, parce que... Regardez le massacre des archers, quoi. Alors, c'était quasiment que des unités lourdes en face, hein. Bon, il y a un petit peu de tirailleurs dans le tas, mais... 250 morts chacun... sur 2000 pertes. Ils ont quand même bien fait le taf. Hop là, ça c'est fait. Veuillez décéder. Donc, comme c'est des séparatistes, on les élimine. Et du coup, il reste deux conneries là. Hop, c'est parti. On les termine avant que la garnison commence à se reformer, bien sûr. Quitte à perdre quelques unités. Ça va. Et là, par contre, on l'occupe. Nous avons faim de bataille. Ok, donc du coup, on a un niveau d'armée. Donc on prend ça. Et on a un niveau de commandant. Donc ce sera un stratège, lui, puisque c'est notre chef de faction. Ok, parfait. Enfin, parfait. Pas parfait, hein, puisqu'on a quand même perdu une province entière et qu'on a une sale pénurie alimentaire de nouveau. D'ailleurs, on va en profiter pour aller, je pense, peut-être améliorer des bâtiments à droite à gauche. Alors ça donnera plus de bouffe.
Donc ici, comme d'hab, il s'est foutu juste hors de portée, on ne peut rien faire. Ici, on a recruté nos archers, donc on va retourner par là. Voilà, et on va du coup arrêter notre épisode là pour l'instant. On gérera lors du prochain la reconquête de tous ces enfoirés, parce qu'on va les reconquérir, on va les écraser et on n'entendra plus parler de ces foutus séparatistes. Comptez là-dessus. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser de nouveau un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.